J'avais eu une discussion avec des gens qui pratiquaient la chasse. Ils me disaient non, les animaux ne sentent rien, etc. Puis je voyais le type qui insistait. Je suis sorti de table, c'était en Normandie. Je suis allé décrocher l'arme principale, je l'ai armée. Depuis, je me suis approché de son chien, j'ai dit, t'es prêt? Et les gens qui étaient à table, ils étaient, mais t'es malade, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas tuer mon chat? Ben attends, il a pas de sentiment, ça devrait passer tranquillement. Après, t'as plus de problème, tu payes pas le vétérinaire, la bouffe, il te mange pas 1,5 kg de viande à chaque repas, etc. Et là, j'ai dit, là, tu vois ton réflexe, il est quand même assez bizarre. Toi, tu utilises ton chien, mais quand il a la menace est là, mais qu'est-ce que va penser le chien si je tire sur toi? C'est-à-dire, je fais l'inverse. Il va me sauter à la figure, oui ou non? Donc, il y a bien un sentiment quelque part. Et ça n'est pas un assujettissement à un esclave, ni quoi que ce soit. Il y a vraiment quelque chose qui existe. Et j'en ai profité pour me rasseoir en disant, bon, on va profiter du dessert pour parler humainement. Et j'ai fait la leçon sur, justement, la chose la plus importante qui occupe le genre humain, c'est le sentiment. Là où il n'y a pas de sentiment, on ne renouvelle pas les êtres. On voit que dans notre civilisation, il y a beaucoup d'individus, chez les jeunes, qui ne veulent pas d'enfants. Ça ne les intéresse pas. Ils sont auto-centrés. J'ai fait cette leçon pour expliquer que on a besoin de la paix dans l'âme pour aimer. Et justement, aimer bien, c'est se sentir apaisé. Qui a l'expérience d'un mariage réussi? Pas tous à la fois. Mais la réalité, c'est que vous vous sentez tranquille dans votre vie. C'est pas facile à obtenir, mais une fois que c'est là, quel bonheur.